Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je suis là pour vous présenter deux moldes que j'ai fait pour faire des plombs drop shot. Voilà, j'ai fait ça, ça m'a rien coûté. J'avais quelques ferrailles et un peu de bricolage et je les ai fait. Voilà, ici j'ai, je sais pas si vous allez voir, des agrafes drop shot. J'ai acheté sur le site AliExpress. J'en ai acheté 100 pièces pour 3,90€. Voilà. Et après, j'ai fait les moldes pour couler les plombs drop shot. Voilà. Ça, c'est facile. On prend le molde, on met l'agrafe dessus. Voilà. On ferme. Hop. On ferme comme ça. Et on met ça dedans pour faire l'arrêt du plomb. Voilà, hop, et là normalement c'est bon, prêt à couler. Voilà, attends, je vais tourner ça. On va le mettre comme ça. Hop, voilà. Et on passe au collage du plomb. Et allez, on va voir le résultat pour le plomb drop shot. Et regardez bien, ça c'est propre, c'est net. Il n'y a rien à faire, seulement à le couper ici. Voilà. Et c'est bon. En plomb drop shot. Diamètre 8. Et là, c'est en plomb de 10 grammes. Là. Pour celui-là. Regardez, c'est propre. Hein. On peut encore enlever quelque chose, mais passer un coup de lime pour que ce soit vraiment propre. Mais là, c'est bon. Et là, je vais vous montrer l'autre molde. Molde aussi, celui-là c'est en diamètre 8 et celui-là c'est en diamètre 6. Voilà, c'est le même système. On met la graffe dedans. Allez, on ferme. Hop, on met ça ici que c'est fait l'arrêt du béton, hein, du plomb. Ça va arrêter le plomb. Et voilà. Ah, je sais pas, je pense qu'il a bougé ou pas. Non, il n'a pas bougé. Allez, il reste coincé là au milieu. Voilà. On va voir, je sais pas s'il a bougé. Hein. Non, non, il est là. Il est là, mais on va faire comme ça. Je préfère le mettre plus en arrière un petit peu. Voilà, comme ça. Maintenant, allez, c'est parti. Voilà, c'est après qu'on attrape la main, ça va beaucoup plus vite. Hein. Voilà. On va aller chercher du plomb. Allez, celui-là, c'est en diamètre 6. Oups. Voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a rien à faire dessus, c'est qu'à couper et voilà, c'est prêt. Voilà, là il y en a un petit plomb pour le drop shot de 5 grammes.
Voilà, là il y en a des 10, là machin, je peux aller, je peux monter jusqu'à 15 grammes de, à 15 grammes avec les petits moules là, et avec des petits moules, voilà. Enfin, c'est tout pour les moules de, pour faire les plans drop shot. Allez, à la prochaine.